Mercedes n'a pas trop voulu faire de suspense. Deux mois après l'avoir présenté sous forme de concept, voici le GLB dans sa version de série. Dans le catalogue Mercedes, il vient s'intercaler entre les GLA et GLC. À peine 3 cm plus court que le GLC, le nouveau venu se distingue par sa disponibilité en 5 ou 7 places, une première sur le segment des SUV compacts chez Mercedes et ses rivaux premium qui sont les Audi Q5 et BMW X3. Cette troisième rangée optionnelle est réservée plutôt aux enfants, même si Mercedes annonce qu'elle peut accueillir une personne d'1m68. Quoi qu'il en soit, le GLB profite d'une banquette inclinable et coulissante sur 14 cm. Le coffre, quant à lui, offre un volume de 560 litres et se réduit à 179 litres en mode 7 places. À l'intérieur, pas de surprise. On retrouve une planche de bord calquée sur les récentes productions de la marque allemande, avec notamment les aérateurs en hélice, la spectaculaire dalle numérique en deux parties, la fameuse interface MBUX à commande vocale avancée et bien entendu, toutes les récentes technologies d'aide à la conduite signées Mercedes. Sous le capot, deux essences et deux diesels sont proposés pour des puissances allant de 150 à 224 chevaux. Tous proposés avec une boîte auto 8 rapports, à l'exception de l'entrée de gamme en essence d'origine Renault. Alors que ces tarifs ne sont pas encore annoncés, l'arrivée du GLB est prévue en Europe dès la fin de l'année. À très vite sur wandaloo.com.